athlétisme des six nations à Paris au Stade de Colombes, il y a là l'Italie, l'Allemagne, la Belgique, les Pays-Bas, la Suisse et la France. Départ du 100 mètres, c'est l'Italien Berruti, le champion olympique du 200 mètres, qui est le grand favori. Il gagne devant le Français Delecourt et l'Allemand Gamper. Michel Maquet, le capitaine de l'équipe de France, Monsieur Muscle, lance le javelot à 77,93 m. Il bat le recordman du monde, l'Italien Lievore. Et c'est le 1500 mètres. Bernard veut prendre sa revanche sur le Belge Verheuen, qui est en tête pour le moment. Verheuen s'échappe dans la dernière ligne droite, mais Bernard revient et finalement gagne ce 1500 mètres. Idriss, 2,4 m, échoue de peu quelques instants plus tard à 2,11 m. Enfin, le 5000 m où le Français Boget rencontre l'Allemand Flossbach. Boget est en tête dans le dernier virage, mais Flossbach le remonte et remporte ce 5000 m. Finalement, l'Allemagne remporte ce tournoi des 6 nations. Magasin fermé, mais aussi rideau de fer arraché. C'est Alger durant la journée de la grève des musulmans contre la partition. Les 28 000 hommes du service d'ordre ont empêché que cette journée soit une journée dramatique, comme ce fut le cas dans certaines autres localités d'Algérie. Pendant ce temps, à Rabat, le leader du FLN, Ferhat Abbas, était l'hôte du roi du Maroc, Hassan II. Visite au terme de laquelle les deux hommes affirmaient que les délimitations territoriales entre le Maroc et l'Algérie les concernaient seuls. En Tunisie, le gouvernement avait choisi ce moment pour relancer l'affaire de l'évacuation de Bizerte. Le néo-destour avait mobilisé ses troupes pour manifester dans la ville. À Marseille, l'arrivée des hommes de la 11e division légère d'intervention retirée d'Algérie traduisait sur le plan militaire la volonté de détente de la France. Paris a, si l'on peut dire, depuis longtemps dépassé sa banlieue. Et les années qui viennent verront, notamment à l'ouest, grossir démesurément la grande banlieue. Dès à présent, la gare Saint-Lazare, qui draine tout l'ouest de Paris, a peine chaque matin à suffire. Mais que dire de la station correspondante du métro, par où toute cette foule essaime à travers la capitale? Ainsi s'est affirmée la nécessité d'une grande voie transversale souterraine est-ouest, capable de déverser 50 000 usagers par heure au cœur même de Paris, en résorbant l'engorgement de Saint-Lazare. Ce métro express, qui roulera un jour à 30 mètres sous Paris, doublera le grand axe routier qui passe par les Champs-Élysées. Il aura l'avantage de desservir le rond-point de la Défense, où un prodigieux ensemble administratif s'intégrera un jour prochain au Paris de demain. Il faudra attendre 10 ans avant que les maquettes du métro express qu'a admiré le ministre des Travaux Publics soient entrées dans la réalité. C'est que le coup de pioche de M. Buron, qui a ouvert les travaux de la traversée souterraine de la Seine, représente quelque 250 milliards d'anciens francs. Le prix de la traversée de Paris à 100 km/h. Cet été, les fruits se trouveront aussi bien sur la table que sur la tête. C'est ce qu'on pourra constater en Allemagne, où l'ananas, la pêche et les bananes ont été promus au rang de diadème pour les soirées très habillées. Il va de soi qu'on ne sera pas en reste d'originalité à l'heure de la plage. Les chapeaux très parisiens de Rigaud donnent le ton dans ce domaine où la règle semble être de frapper les imaginations. Les coiffures, dans ces conditions, ne se refuseront pas à une certaine recherche, certaines complications, comme dans ces modèles de Carita, où le simple serre-tête peut faire place, ici encore, à une grappe de raisin.
De la plage de l'île Adam aux plages de l'océan, de la Manche ou de la Méditerranée, un même mot d'ordre donc pour cet été, fantaisie d'abord. La fantaisie, il fallait s'y attendre, c'est à Saint-Tropez qu'elle pouvait le mieux donner toute sa mesure. Côté féminin, la règle admet cette année qu'on soit abondamment vêtu pourvu qu'on laisse apparaître la taille, avec toute la générosité voulue. Côté masculin, on persiste à essayer de lancer la tenue habillée par excellence, le slip ou le short queue de pie, avec nœud papillon de rigueur. Quant aux célébrités du cru, on les retrouve, comme Sacha Distel, à l'épiplage, où le barman a installé ses tables dans l'eau. Ou bien encore au lieu dit la poêle à frire, où les amateurs de bronzage total passent ainsi des heures à rôtir. C'est à cette dernière occupation que se livre, par exemple, Françoise Fabian. Avec tout cela, on comprendra que Saint-Tropez soit le rendez-vous par excellence des curieux. Constatons que les mauvaises langues ont tort. Il y a aussi des pudeurs farouches à Saint-Tropez. Un Van Gogh de bronze de 3 mètres, veillé par le sculpteur Zadkin, a parcouru Paris comme pour un triomphe antique. C'est un triomphe tardif, si l'on songe que chaque tableau de Van Gogh vaut aujourd'hui des millions et qu'aucun ne trouva d'acheteur de son vivant. Au bout de ce voyage, la petite église d'Auvers-sur-Oise. Là, les admirateurs du peintre maudit viennent aujourd'hui à la recherche de ses derniers souvenirs. L'hôtel où il vécut les derniers temps d'une vie tourmentée, une minuscule chambre sous les toits, une lampe, un cruchon, un pauvre lit. C'est en ces lieux, toujours hantés par son ombre désespérée, que les amis d'Auvers ont voulu que soit érigée la statue due à Zadkin, une statue qu'aurait sans doute aimé Van Gogh. L'Héliopolis des Grecs et des Romains, la Bekaa des Arabes, Baalbek, par-delà le pittoresque d'une femme voilée ou d'un âne porteur d'eau, est au Liban une de ces cités bénies des dieux où l'imagination de l'homme contemporain peut embrasser les siècles. Les restes grandioses des temples que Rome a bâtis à Baalbek peuvent alimenter sans fin la méditation. Intimement mêlés aujourd'hui aux souvenirs de la civilisation arabe, les vestiges de l'œuvre romaine comptent parmi les plus impressionnants du monde. La porte du monument du temple de Bacchus, le plus grandiose qu'ait laissé l'Antiquité, l'élan majestueux des colonnes qui ont résisté aux tremblements de terre et aux déprédations des hommes, notamment les 6 colonnes restées intactes du temple de Jupiter, les plus hautes qu'on ait jamais élevées, témoignent de ce que fut l'ambition de Rome. Faire de Baalbek le premier sanctuaire d'Orient.